Et voilà. Alors, on va tester voir si tout roule. Oh, tiens, d'habitude, ça vient ici. Ah, sur YouTube, les messages ne sont pas connectés. Vous pouvez vous voir en direct. Sur YouTube, les messages ne sont pas connectés. Vous pouvez vous voir en direct. Par contre, moi, je peux le voir dans le reste, dans mon canal de chat, hein, qui est, attendez, qui est ici. Ça, c'est mon canal de chat. Mais sur Facebook, c'est un peu... Voilà, donc ça marche pas comme ça. Par contre, moi, je peux le voir dans le reste, dans mon canal de Ok. chat, hein, qui est... Attendez. Qui est ici. Ça, c'est mon canal de chat. Mais sur Facebook, c'est un J'essaye de peu... comprendre un petit peu avant de lancer le programme, le jeu. Ah merde, vous avez... Excusez-moi, vous avez dû avoir un double... Oui, Entre... certainement qu'il y avait... Oui, c'est tout à fait normal. Par contre, je ne sais pas aller sur mon Twitch. Alors, j'avoue que je n'utilise pas Twitch. Alors, comment je fais pour aller voir sur mon truc à moi? D'accord. D'accord. Bon, on oublie Twitch, c'est le bordel. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on était hier? Alors, je vais sortir ça. Voilà, on revient sur le projet. Je prends ma fenêtre. Tac, on est bon. Où est-ce qu'on était hier? Ah oui, hier, on avait mis le tableau sur Mega Drive. Le tableau pour mémoriser les objets. J'avais tenté de faire ça. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de poser un objet, peu importe le graphisme, et de reconnaître qu'ici, il y a un objet ou pas. Sur la zone, sur la room. Et j'avais dit qu'il fallait que je bouge, que je fasse de l'optimisation. Donc on va y aller, hein. Je vais finir mon petit café, puis on va y aller. Alors, on se met en CRC. Je pense que c'était classe map. Ouais, c'est ça. Fallait bouger ça. L'offset room, calculer l'offset room, dataset, dans data room. On va se faire
Unsigned char ID tiles, finalement, parce qu'on va essayer de récupérer l'ID tiles de la room. Et ici, on va se calculer, donc, calculer l'ID tiles. Déjà optimiser ça. Mais en fait, c'est un peu débile. Parce que si je chope un objet, j'ai qu'à afficher. Ah ben non, c'est l'objet. Ouais. Donc id tiles est égal à py fois la map size plus px plus l'offset room. Voilà. Et là on va remplacer bien sûr par id tiles. Herbie, pourquoi normalement ça devrait. Ça marche que sur. Ah, ça marche que sur un mot. Ça marche pas sur toute une. Ok, c'est pas grave. Idée. Ah, il s'en est là. Alors, on va voir un peu. Donc on a bien. Voilà, donc je sais pas où se trouve. Là 0,0 il devrait pas avoir de. Oula. Oula. Alors un souci quelque part. Ah, c'est pas grave. Pourquoi j'ai un souci? Est-ce que c'est peut-être du int finalement? C'est pas id tiles, c'est adresse tiles. Attends, mince. Oui, ce serait mieux. Et parce que là. Salut Shadok. Ça va. Alors, est-ce que
Ouais, c'est déjà mieux. Voilà. Ça, on a rectifié. Pas de souci. Alors, maintenant. On a les details. On va hop, je vais rechercher les data rooms. Valeur numéro 5. Oui. Encore un quart d'heure. Ah, pourquoi 6 heures? Oui, 6 heures, oui, avec le couvre-feu. Qu'est-ce que... Scene map. Non. Alors, on va voir si c'est bien pris en compte. Moi, je vais aller ma classe map. Hop. If il details est différent. Merde, je suis en train de faire du basique. On va aller vérifier. Non. Merde, 5. Alors normalement, et ben ça marche pas. Normalement, je devrais rien avoir. Ah. C'est servi ça, on a changé de... Maintenant c'est l'objet 32, des fois ça change, c'est pas mal. Mais je prends le problème à l'envers en fait, c'est pas ça que je devrais faire. Si details est égal à 5, ça veut dire qu'il y a un objet. Alors, on pourrait faire details est égal par exemple à 0. Là, on devrait techniquement avoir une zone morte sur chaque techniquement je devrais avoir une zone morte ici. C'est bizarre ça. J'avoue que là. J'ai testé il y a fort longtemps la MOS 2, enfin la Waze. Après, moi je ne suis pas un fervent de l'objet. Quand j'ai testé l'IDE, c'était VS Code, je crois, si je dis pas de conneries. Et j'ai jamais trouvé ça pratique à l'heure, au moment de son développement. Par contre, je ne sais pas si François, c'est un petit moment que j'ai pas parlé avec François. Je sais pas si François a fait son IDE. Donc je peux pas dire. Après, ça reste du basique avec mélangé avec du JavaScript, je crois, si je dis pas de conneries. Non, c'est pas du JavaScript. Ah, tu vas peut-être me retrouver le nom. Tu sais, j'ai peut-être raison, c'est peut-être du JavaScript.
Bah après, bon, voilà. Et... Moi, je pense que ça peut être un très bon langage pour apprendre à programmer, mais faut autre chose de ce que j'ai vu, en tout cas au niveau programmation. Parce qu'au début, il fallait repasser par du JavaScript pour afficher des images. Bon, mais bon, le projet, il était au tout début, donc il faut avancer. Ben, par contre, moi là, j'ai un truc qui me plaît pas. J'ai un truc qui me plaît pas, à moins que normalement, voilà, au lieu du 5, je devrais avoir un 0, donc il devrait m'afficher. Ouais, c'est ça, JavaScript, donc j'étais pas fou. Après, rien de beau du natif. Moi, repasser pendant des moulinettes à gauche, à droite, ça n'a jamais été mon. Enfin, après, je suis peut-être pas non plus la cible, je suis plus la cible. Hein. Moi, programmer sur PC, j'avoue que ça ne m'intéresse pas du tout. Si un jour je reviendrai sur PC, je préférerais utiliser. Alors, retourner sur ClickTeam Fusion ou sur RPG Maker en fonction de ce que je veux faire. Comme je disais hier, ce que je veux, c'est m'amuser, c'est tout. Je m'amuse. Et moi, ça. Moi, là, par contre, ça me plaît pas parce que. Ça marche pas comme je veux. Il y a un truc qui va pas. Alors. Calcule mon idée, tiens. Il n'y a pas de souci. Je veux 5. Nom d'une carotte. Eh ben oui, non, mais attendez. Là, il y a un truc qui va pas. C'est normal. C'est tout à fait normal. Je suis en train de faire des conneries ce matin. Je peux vous dire qu'il y a un de ces vents dehors. Bon, il y avait que la mousse sur Amiga. Non, tu avais quand même le Blitz Basic. Oui, le GFA qui existait quand même. Des basiques, il y en avait d'autres hein, sur Amiga. Bon, après, bon, moi, je crache pas sur la mousse parce que ce qui m'a permis de comprendre la programmation, c'est la mousse. Moi, je trouve toujours que la mousse est très très bon sur Amiga pour faire mumuse. Par contre, il arrive un moment, la mousse, c'est un château de sable quand même. Alors, je vais expliquer pourquoi ça bug. Bah, tout simplement que je récupère pas. Je suis en train de calculer un peu n'importe quoi, donc les détails, ils doivent pas être ici. Mais voilà, c'est. Voilà, je suis en train de faire un. Grand n'importe quoi. Donc, si je veux. Hop, ah, ça va peut-être aller mieux si je fais ça. Et c'est pas d'être. Voilà. Et là, il détails. Normalement. C'est ça. Il détails, soit 5 plus 4. Ah, ça va peut-être aller mieux quand même. Voilà. Moi, ce que je veux récupérer, c'est l'idée. C'est le numéro du tags. Là, je calcule juste un offset. Et je suis en. Et là, je peux normalement me remettre en char. C'est pour ça qu'il y avait un truc qui buguait tout à l'heure. Hop. Alors, normalement, là, je devrais avoir un carré noir. Logiquement. Techniquement. Love-là. Love-là, notre carré noir. Donc, c'est l'objet. Et... Bon, je l'ai mis bloquant, mais c'est normal parce que c'est considéré comme un mur. Par contre là je devrais aussi avoir un carré noir. Sauf que j'ai pas dû le mettre dans le bignouf.
Les data rooms, valeur 5, c'est l'objet. On va dire qu'il faudrait que je change tout ça en... en define pour... ça, c'est pas bien grave. Voilà, donc j'ai bien mon carré noir qui recevra notre objet. Hein, bon. Là aussi. Là aussi, hein, je me souviens bien de l'avoir mis là. Et là aussi. Alors, on va faire en sorte que... Alors, c'est là qu'il va falloir travailler la pose de l'objet. En fait, le 5, je devrais mettre une autre valeur. Hein. Par exemple, 99 ou 100. Voilà, 100, ça veut dire la case de l'objet. Va falloir un mapper, enfin. Quoique je pourrais toujours créer... Voilà. Nous, on va revenir en classe map. Donc, bien sûr, on teste plus 5, mais du 100. Ça revient au même. Hein. Et là, je peux mettre, par exemple, il est... On va remettre du 5. J'ai pas. On va mettre un objet. C'est normal. On va aller voir le debug. Il est parti. Ah non, il est que 53, donc il n'est pas parti. On va aller voir le VDP. On va aller chercher. Je sais pas pourquoi à chaque fois il me fout des personnages ici là. Il va falloir que je regarde, il y a un truc qui m'inquiète. Par exemple, on va mettre 55, c'est une potion. Il va falloir que bah, tout sera remodifié. Hein. C'est normal. Voilà, j'ai bien la potion qui est affichée. Voilà, potion nickel. Alors, là je suis sur émulateur Mega Drive. Là je suis avec le SGDK. J'ai le fameux jeu va essayer de sortir sur le plus de plateformes possible, dont API, non sur le Commodore 64 avec mon propre API qui s'appelle API C64. Sauf que pour le à l'heure actuelle pour mettre mes outils, enfin mettre ma programmation, donc ce genre de truc par exemple. Là, c'est ma programmation Mega Drive dans mon code. Pour le mettre sur le Commodore 64, j'ai pas mal de calculs à faire. Ça va me prendre un petit peu plus de temps que sur les autres consoles parce qu'il y a 2-3 trucs à faire. C'est tout con, mais il faut que je m'y penche et j'ai pas le temps le matin de m'y pencher. Enfin, j'ai pas envie de m'y pencher à l'heure actuelle, peut-être ce week-end. Donc, API 64, il est là, hein, puis, hein, il est prêt à fonctionner, hein, il est déjà intégré au programme.
J'ai juste à faire une compilation C64 et à modifier 2-3 conneries dans le bat. Il est là le bat, hein, simplement. Voilà, j'ai plus qu'à. Faut que je rajoute. Faut que je rajoute ce que je dois linker, enfin que je dois compiler pour pouvoir faire du C64. Faire du cross computer, c'est un esprit de pro. Sauf que je le fais parce que le projet me le permet. Salut Géminus! Bonjour le chat! on va dire esprit de pro, non, j'aime pas ce mot-là. Je peux faire du cross sur ce jeu parce que je sais qu'il c'est un jeu qui est tout con, qui est tout simple, qui me demande pas d'énormément de ressources et que je n'irai pas au fond de la machine, ça c'est clair. Donc je peux me le permettre, et puis bon, avec un petit peu d'expérience, je sais comment, enfin plus ou moins ce que je veux coder, comment je dois dispatcher les morceaux de code pour que ça fonctionne sur l'un et sur l'autre. Mais je suis pas à l'abri d'une surprise d'ailleurs. Puis c'est un exercice, pour moi c'est un exercice, et surtout un exercice mathématique. Oui, ça je peux, sur Mega Drive. Je peux. Salut Amstariga! Comment ça va? Sur Mega Drive, j'ai beaucoup plus de puissance que sur les autres machines. Donc, mais pour le moment, bon, que j'arrive à faire le prototype, mon but c'est de rattraper ma version Amiga. C'est donc déplacer, tirer, avoir des monstres, récupérer les objets, se faire toucher, mourir. Et bon, en fait, j'aurais fait le jeu, après j'ai plus qu'à faire le décor. Mais une fois que j'ai le prototype correct en jeu, je peux faire tout ce que je veux. Enfin, tout ce que je veux. Après, je peux attaquer les machines en lui-même. Ça roule, l'insomnie. Non, 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 non. Il est 5... Je me suis levé à 5h, il va être 6h. Hein. Je me suis levé à 5h comme tous les jours, quoi. Et voilà. Il y a du monde ce matin. Pas comme hier. Donc pour le Commodore, y a énormément de choses à faire. Non, je suis en train de. Comment dire? De faire. Il va arriver sur Commodore, mais je suis en train de faire une libre adaptation de Donjon Troll de Michel. La Mega Drive Master System, et comme je disais tout à l'heure à mon nom et personne, enfin mon prénom et mon nom, pour le mettre sur Commodore 64, j'ai des calculs de l'initiation à faire et j'ai quelques calculs à faire. Faut aussi que je code les graphismes. Donc pour le moment, peut-être ce week-end, peut-être la semaine prochaine, je sais pas, on verra bien. Mais ça va se faire. Il est prévu aussi pour. En tout cas, il est prévu pour être adapté sur MSX 1 ou 2, ou les deux, je sais pas, on verra bien. Et pourquoi pas la Super Nintendo, mais la Super Nintendo, faut que je teste 2-3 trucs encore avant. Faut que je regarde comment faire un buffer de map, parce que le problème des Nintendo, en tout cas, c'est que je peux pas poser des tiles à la volée comme je fais. Je suis obligé de repasser par un buffer, un tableau, et c'est ce tableau que j'envoie directement pendant un certain laps de temps, donc ce qu'on appelle, je pense, l'OAM, un truc comme ça, pour pouvoir adapter la tilemap. Et voilà, donc je dois utiliser ça. Le C, tout simplement. Le C qui me permet de faire ce que je veux. Et pour le moment, il y a deux compilateurs qui fonctionnent derrière. Il y a HGCC pour la Mega Drive et SDCC pour la Master System. Et il y a aussi CC65 pour le futur Commodore 64 qui est déjà implémenté dans le programme. Ben, en tout cas, je peux afficher tout ce qui est. Voilà, les potions s'affichent. Bon. Bon, pas de soucis, hein. Oui, c'est sur toutes les machines, oui. Oui, parce que sinon,
J'utilise qu'un code source en fait. Je vais te montrer. Par exemple, je suis dans la classe map. Hein, ça, hop, classe map. J'arrive ici. Ça, c'est du code commun à toutes les machines pour le moment. Voilà. Puis, j'ai des fonctions banales pour toutes les machines. Et puis, quand j'arrive, par exemple, ici pour afficher un draw tile, ça pour afficher donc mon tiles à l'écran. Boum. Je commence à mettre des séparateurs. Donc, comment ça s'appelle ? Ah, j'ai les noms, je les ai jamais. Le préprocesseur, voilà, des commandes du préprocesseur qui va me dire, bon, bah, si ma variable cible, qui n'est pas du C, mais propre au processeur, est activée sur Master System, alors bah, je peux compiler ça. Si ma variable cible est sur Mega Drive, bon, bah, ça j'oublie, donc je peux compiler que ça. Ce qui me permet de compiler où je veux, de mettre des morceaux de code où je veux par rapport aux machines. Alors, je fais comme ça, c'est une méthode. C'est pas la méthode, c'est une méthode. Il y en a qui vont peut-être différencier des fichiers propres. Et oui, c'est un langage qui est assez fabuleux à ce niveau-là. C'est plus, et d'autres langages, je pense que par rapport peut-être. Oui, c'est le Pascal peut-être aussi fait pareil, le Turbo Pascal. Enfin, le Pascal et le Turbo Pascal, il est très proche du C, du moins dans la philosophie. Et oui, c'est... C'est comment ? C'est très bien. Sur les consoles, les sprites sont gérés en... Pas la peine de programmer... en assembleur, le C est suffisant. Assembleur équipe sur Sprite. Ouais, parce que mon. Sur le C64, alors ça y est. J'ai des. Comment ça s'appelle ? J'ai pas de route. J'ai très peu de routines assembleur que j'ai créé moi-même. Et pour afficher mon sprite, ça fonctionne. Pas trop mal, hein. CC65 doit transformer ça en assembleur assez bien. Mais après, bon. Bah, après, le Spectrum et l'Amstrad, c'est différent parce que je vais schématiser, je vais vulgariser. Bah, je vais pas vulgariser. Il fonctionne en mode bitmap. Ça veut dire que c'est. Voilà. Tu dois modifier la mémoire directement pour afficher des graphismes. Alors, sur le Spectrum, ça va. En mal Amstrad. Alors attention. Attention. Le jeu en lui-même n'est pas fait avec le GFA. C'est les outils de développement qui ont été faits avec le GFA pour An Overworld. Pas le jeu en lui-même. Hein. C'est les outils de développement. C'est le moteur d'An Overworld. Je crois qu'il est quand même en assembleur. Si je dis pas de bêtises, je peux peut-être me gourer quand même. Hein. Attention. Transfert de bloc mémoire en soft sur Amstrad. L'Amstrad c'est un peu ma machine de cœur, mais gros problème à mon goût de l'Amstrad, c'est que rien n'est linéaire là-dedans, c'est un gros bordel. Il y a une perte de temps à recalculer les adresses mémoire, une perte de temps de... Et c'est ça qui fait que... Voilà. Mais je pense que Amstrad Aggregate a dû mal comprendre. Je pense, je me trompe peut-être que c'est du full GFA, mais sur Atari, mais il me semble que non. Il me semble justement... Il me semble qu'il y a un langage de script même là à l'intérieur. Ben oui, ignoré, c'est bon, je suis debout. Mais il me semble qu'il n'y a que les outils de développement. Il a dû faire une partie lecture de script, entre guillemets, peut-être en assembleur ou peut-être en C, je sais pas. Mais je crois pas que ça soit du GFA. Et à côté, il a développé, pour la rapidité de la chose, les outils pour pouvoir créer le jeu, pour pouvoir scripter, faire les événements, les trucs comme ça, en GFA basique. C'est souvent ce qui se fait. Quand t'as besoin d'outils de développement, t'as pas besoin de partir sur l'assembleur ou des langages, un langage beaucoup plus simple et plus rapide à mettre en place, c'est pas mal. C'est comme moi, pendant un moment, je pensais à faire un mappeur, un éditeur de map,
Je vais être honnête, sur PC, je ne gère rien du tout en C. Enfin, je ne gère pas les parties graphiques, la SDL et compagnie, je ne sais pas. Ça m'énerve. Comment? Et si je veux développer un éditeur de map, des fois, je pense à repasser sur Amiga en Amos pour faire mon éditeur de map. C'est tout simple, je maîtrise. Je sais exporter du binaire. Une fois que je peux exporter du binaire et que je fais ça, je sais faire ce que je veux. Oui, moi je pense que c'est les outils qu'il a développés. Je pense, hein. Alors, on va revenir un tout petit peu à mes moutons. Donc là, voilà, j'ai récupéré. On sait qu'ici, si les détails est égal 100, on sait qu'il y a un objet. Maintenant, il faut détecter. Alors ça, à mon avis, va falloir que je fasse une fonction à côté. Ça va se transformer en fonction plus tard. Donc, si on arrive à 100 dans les détails, hein, si on a chopé l'idée de détails à 100, c'est qu'on a un objet. Donc, on rentre là-dedans. Maintenant, il faut savoir quel objet on a pris pour pouvoir poser le bon tiles. Donc, il faut interroger. Il faut interroger le class item. Là j'ai l'item buffer. Là j'ai l'init. Mais je n'ai pas fait le getter. Faut peut-être que je fasse le getter init tout simplement. Donc on va se faire un get, donc un signal char get buffer. Comment j'ai item buffer. Alors, c'est là qu'il va falloir réfléchir. Toute façon, il va falloir que je récupère tout simplement. Quand je fais un get item buffer. Un signal char value. Bon, on va faire un return item buffer. C'était pas tout à fait ça que je voulais faire. Ouais, si on va value. Ouais, on va faire comme ça, hein. On va aller récupérer tout simplement la valeur du tableau. Hein. Va aller récupérer les 8 bits. Les 8 bits du tableau, tout simplement. On va pas se faire chier. Get item buffer, tout simplement. Et on fera la moulinette un petit peu plus tard. Donc une signature, tac 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 tac. Moi j'ai pas de truc particulier, pas d'objection. On va aller signer du nez la fonction. Hop. Et on va aller dans le class map. Le GFA, pour l'avoir un petit peu pratiqué, c'est très bien. Ça va te permettre d'apprendre l'architecture du ST parce que, bon, tout ce qui est manipulation de string, de Zelda, de variables et de compagnie, ça gère très bien le chose de lui-même. Par contre, quand tu vas aller attaquer les graphismes,
Et ben, tu vas apprendre l'architecture du ST pour pouvoir afficher une image, pour pouvoir savoir où poster une image, comment elle est encodée. Et ça, j'ai trouvé ça très 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 bien. Par contre, l'éditeur du GFA, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est une catastrophe pas possible. Puis encore une fois, l'impossibilité de séparer son code source en plusieurs fichiers, ça, je peux te dire que c'est chiant. C'est vraiment très très chiant. Quand on commence à débuter, c'est pas grave. Mais quand on commence à, entre guillemets, avoir un petit peu plus de bagages de programmation, voilà. Classmap. Hop. Donc à partir d'ici, on va aller récupérer. L'item de l'objet, donc on va se refaire aussi là id item, donc id item est égal z. Ici on va faire un get normalement. Alors attends que je me gourre pas de fonction. Player des room. Voilà. Et à partir de là, if. Ça sera remodifié. Il est item. Là, faudrait mettre des switches. Est égal 0. Details. J'affiche 0. Est égal 0. Else. Encore une fois. Il n'y a pas d'include, ou alors c'est pour faire autre chose. Je sais plus, mais faudrait que tu regardes. Mais j'ai oublié. Tiens. Oui, faut s'amuser. Allez, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Allez, nous, j'ai dû me gourer de. Voilà, je me suis gouré de fiche compilation. Voilà, donc. De toute façon, là, je peux pas forcer le zéro. Bon, c'est tout, je peux pas forcer le zéro. Alors, des fois, ça, tout à l'heure, ça m'avait changé un petit peu la donne, mais.
Normal. Voilà, donc pièce numéro 2, je suis bien à 1. Bon, après. Bon, après, c'est plus ces valeurs-là, hein, mais. L'idée semble fonctionner, en tout cas. Ok. Donc, on va peut-être faire un switch. J'irai peut-être mieux. Idée item. Case 0 avec Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est 128. Et ça. Deux. Quatre. Huit. Seize. 2, 64 et 128. Voilà. Là, je me fais pas chier. Details est égal à 0. Par exemple, ici, ça serait peut-être la potion. Potion de force. Quand même, le 0, il est inutile, en fait. Ah, le vent s'est calmé. Qu'est-ce que c'est que... Ah, mieux comme ça. Voilà, il n'y a rien. Bon, ça sera toujours pas... Ah. On devrait avoir une... Ah bon. Voilà. Oh merde, c'est pas ça que je voulais voir. Le con. Alors. Par exemple... 51.
51, je t'aime, j'en boirai des tonneaux, à me rouler par terre, dans tous les caniveaux. Munitions, par exemple. Où sont mes boucliers? J'ai pas mis le bouclier. Bon, c'est tout. On va utiliser 4B, par exemple. Je. Toujours 0. Je sais pas combien il est là. Faudrait. Alors, où est-ce que je fais l'affichage? Je fais ça dans le. Senumop, je crois. Ouais, je fais ça ici. Par exemple. Alors ça, c'est du debug, hein. Je vais juste baisser de 1. Voilà. 32, ce qui est normal. 1, ce qui est normal. 64.
32. Ok. On va revenir en place map. On peut mettre des boucliers ici juste pour voir. Voilà, donc 1,32. Et normalement, on va pouvoir modifier un peu le seed. Ouh, classe map. Alors, est-ce qu'il minite le machin? Voilà, l'Unity Time Buffer là, par contre, si je, par exemple, j'attends, je mets un wait, j'aurai pas les mêmes valeurs, parce que je suis sur le, vous allez voir, on va changer les valeurs, voilà, j'ai changé les valeurs. Comme je fais un seed par rapport au tick de la machine, enfin le nombre de ticks, je récupère le nombre de ticks et puis ça me génère un peu ma mon truc. Voilà, donc par exemple un des armes. Bon, c'est normal, j'ai. S'il n'y a rien, pourquoi je vais mettre 0? Ah oui, c'est pour voir un peu. Potion de force, munitions, bouclier. Non, potion de vie. Il faudrait que je regarde. On va faire ça. L'or. Et après, je ne sais pas. On verra après. Après, c'est là que je vais peut-être améliorer, ajouter des choses par rapport au jeu original. Et je reviens. Je vais revenir. Parce que là, il faut que j'aille quelque part. Ouais, il est 6h30. Je bloque juste.
On va aller voir. Oui, mais donc, ouais. On va s'y intégrer. On va intégrer. Il manque une clé, non, c'est pas grave. J'ai pas dû. Une, deux. Avec les rouges. Passion rouge. C'est pas grave si ça concorde pas aux valeurs, hein, le but n'est pas là pour le moment. Hop. Tac. On va aller rechercher, alors je vais rechercher les graphismes à l'heure actuelle, donc tout est provisoire bien sûr. Merde, qu'est-ce que je cherche moi? Je sais plus. Ça. Ça va être par ici. Non, c'est chez C. J'ai pas fini de trier tout ça. Non, c'est mon cryptage. Fixe. On va aller rechercher 2-3 trucs. C'est les diamants, pourquoi pas. Normalement, il y a des boucliers ici, par exemple. Ouais. On va installer le bouclier. Ah, c'est pour ça que j'ai choisi. C'était celui-là que je voulais. Voilà. L'or, on va mettre un coffre. On va le mettre celui-là, il est sympa.
J'ai le droit, on va dire, à bin octal décimal 256 divisé. À 64 tags. Métatags, pardon. Donc voilà. Hein. Mais il n'y en aura pas 64. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Déjà, il va falloir remettre. C'est pas ça. Ça m'a fait. Ah bon? Why? J'ai pas monté de. Oups, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. À la boulette. Ah. La boulette. J'avais touché directement le reste pour le machin. Ah merde. Bah c'est pas grave. Ça va se corriger. Ça va se corriger. Alors, où est le cœur? Comment j'avais fait? Oh, ah oui, j'avais fait, ah oui. La boulette. Bon, c'est pas bien grave. J'ai pas pensé, me rappelais plus que j'avais fait un truc.
Voilà. J'avais préparé tout ça en fait. Bon, c'est pas grave. Ah. J'ai mis 4 clés, mais non. C'est pas grave.
Des couleurs qui pourraient être fusionnées. Mais bon. Pour le moment, c'est pas bien grave. Copier. Là, cette fois-ci, on met dans le réponse. Coller. On va aller. C'est normal qu'il y ait des gros décalages là, hein, il n'y a pas de souci. On mettra ça normalement. Moi, ce que je veux, c'est de les bugs. Et on va aller. Alors. Tac, le HUD, classe HUD. Ok. Alors, on met ça sur le côté. La vie. 0x68. Tout ce qu'on va faire. TLSV. Munitions. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, d'accord, j'ai compris. Je les ai mis à l'envers. Si c'est
Voilà. Ouh, la couille. Oui, ben oui, ben oui, ben oui, les munitions, c'est pas 49. 4A. Salut, salut Eric. Comment ça va? Les boucliers, donc. Quarante-huit, 45, 46, 47, 48. Potion de vie, la potion de force, pardon. J'ai 41. Pourquoi? Thank you.
C'est pas. Pourquoi il me donne ça? C'est quoi ce délire? Ok. Pourquoi à 16? Ah bah oui. Huit, neuf. Voilà. Voilà. J'ai plus qu'à ramasser les trucs. Ce sera l'objectif de demain, de pouvoir collecter les objets. On va arrêter là, il est 7h06. Voilà, donc je vous fais un gros 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 bisou. La suite sera pour demain matin. Je vais être en live jusque 9h normalement. Voilà, donc l'objectif de demain, ça sera donc de collecter les objets, au moins de les faire disparaître de la map. Pour faire disparaître de la map, donc va falloir que je teste, je me fasse une boîte de collision du joueur pour arriver, enfin que je teste la casse, quoi. Et que je rajoute un tiles vide à l'intérieur, à la place, et que je corrige le buffer, hein, tout simplement, le buffer des items. Alors ça va être très simple, hein, je mets normalement le buffer à 0, et roule mimine. Voilà, je pense que c'est tout est dit, hein. Bon, j'avance tranquillement. Ce week-end, je vais quand même essayer. Là, ça fonctionne pas sur Master System. Si je mets sur Master System, ça va bugler à mort. Ce week-end, on va essayer de créer la fonction aléatoire pour la Master System et pouvoir faire pareil, hein, ajouter les objets sur la Master System. Bon, voilà, donc tout roule. Je vous dis donc à demain matin. Pour collecter les items. Voilà. Gros bisous à tout le monde et merci de me suivre. Bye bye.